les filles, j'espère que vous allez bien, les fêtes approchent et on retourne à notre éternelle question, qu'est-ce que je vais mettre en africaine? Donc le thème c'est les tenues africaines, soupape pour la tenue complète. Vous me connaissez côté rétro, côté glamour, style, stylé, mais c'est vrai que jamais je vous ai fait une vidéo sur mes tenues africaines. Pour ces fêtes de Noël, j'ai décidé d'aller en tenue africaine. C'est vrai que ma belle famille me voit rarement habillée ainsi, alors que c'est ma culture. Normalement, je devrais être habillée ainsi tout le temps. Mais vous savez, la mode... Pour l'instant, mon choix n'est pas encore arrêté sur mes tenues africaines. Donc, je ne sais pas encore laquelle porter. J'ai l'embarras du choix. Que vous dire encore plus, j'ai oublié. La plupart des tenues africaines, c'est moi qui les ai cousues. Donc, ne cherchez pas. C'est moi qui les ai faites avec ma petite machine à coudre. Sauf une des robes que vous allez voir à épaules dénudées avec plein de... comment on appelle encore, c'est des élastiques froncés. Ça, c'est pas moi qui les ai faites. Mais tous les autres vêtements, c'est moi qui les ai faits. Que vous dire de plus? Donc, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, comme d'habitude. Hein. Et n'hésitez pas, abonnez-vous, laissez-moi vos commentaires. Avez-vous aimé mes tenues africaines? Et j'en profite aussi, je glisse un petit message. Si dans la région parisienne, vous avez une amie qui sait vraiment mieux coudre que moi, parce que je sais coudre les robes, mais les pantalons, j'ai du mal. Je cherche une couturière pour coudre un pantalon africain, façon taille haute. Et jambes larges. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas, écrivez-moi, likez, laissez-moi vos critiques positives ou négatives, je prends tout. Évidemment, à condition que vos critiques soient constructives. On reste quand même dans le côté bonne humeur, joie de vivre, et puis voilà, c'est le partage avant tout. Alors les filles, je vous laisse apprécier cette vidéo, et je vous dis à très bientôt, et n'hésitez pas, abonnez-vous surtout. I'm a plan of a
I'm gonna make it.